truc qui se passe entre entre lui et sa copine. Entre le héros et le mec putain de trop stylé. J'ai oublié les noms là parce que je suis pas dans le truc. Quel mec putain de trop stylé? Le gars avec une lame et des cheveux gris. Ouais, t'attends entre ça et ça, donc t'attends, et dans l'épisode il se passe ça, et putain après il se passe ce truc, et après, après il y a une putain d'entrée à la ligne avec une putain de fusillade, et à la fin, t'as le dernier mouvement, la dernière image que tu vois. Tout le monde crève. Non, non, la dernière image que tu vois avec. C'est Spike, il me semble ton nom. Ouais, Spike. Spike, c'est le gars avec le. Ouais, bah c'est le personnage principal. Ouais. Donc, la dernière image avec Spike, t'as sa dernière image, et après, tu vois le ciel et t'as le générique. C'est énorme, c'est épique. Et c'est, sérieusement, sérieusement. J'ai vu la fin de l'épisode, tu vois, j'ai réagi jusqu'à la fin, et après je reste 5 minutes devant mon PC en train de faire OMG. Ça monte, poum, ça redescend, d'accord, ça, et là. Ah, mais ça c'est une bonne fin, ça m'a échampou. Mais allez, ça m'a échampou, ça manque. Mais sérieusement, des mangas, des fins que j'ai adoré. Vous inquiétez pas, on va pas spoiler, hein, c'est spoiler free. Non, le truc c'est que des fins que j'ai adoré, sérieusement celle que j'aimais le plus, celle de Chrono Crusade. Parce qu'elle est fan. Ouais, franchement, ouais. Sérieux, elle est énorme. Allez, enfin, l'animé, je sais pas, mais le. Non, non, l'animé, c'est la grosse bite. Si vous connaissez Chrono Crusade. Mais. Chrono Crusade, y'a pas de N, enfin y'a pas de O, c'est pas Chrono. C'est Chrono. Ce qui est trop énorme, c'est qu'à la fin, on les voit en vieux et tout ça, c'est ça, toi, qui t'en veux. Mais c'est bon, c'est pas du spoil. Ouais, non, c'est pas du spoil. Parce que, ouais, on les voit en vieux, mais c'est énorme. Je suis pas capable de recapturer Dr. Kirk, on sait pas où il est. On sait pas s'il est en vie. Donc, ouais, c'est énorme qu'on voit la fin en vieux comme ça. Gail, il est en vie, il est survécu, mais il est sérieusement blessé. Et justement, ça fait chier de les voir en vieux. Enfin, je sais pas, on dirait que ça se termine mal, qu'ils vont crever et tout ça. En même temps. Ouais, c'est tout. Non, ils vont pas tous crever, mais. Ouais, ouais, non, mais sérieusement, elle est énorme. Enfin, la dernière image, tu sais, la double page, la dernière. Je sais plus ce que c'est. Elle est fan. Si, c'est. En fait, c'est même pas un des persos principaux qu'on voit en vieux. Non. Bah, si, c'est. Bah, non, parce que. Bah, c'est particulier. Si vous avez l'occasion de venir comment. Non, mais sans spoiler, c'est qui déjà? Sérieusement. Ils coûtent 10€ l'état, mais au moins ils sont gros. Non, tiens, mais c'est abusé, ça me fait penser, j'ai acheté Vampire Knight. Le truc c'est énorme, c'est. Le truc il est mini. Tu l'as acheté? Tu m'as dit que c'était pas si bien que ça. J'ai dit ça. Je dis c'était. Tu sais que c'est sympa, mais c'était, ouais, c'était pas énorme quoi. Ouais, non, mais c'est sympa quand même. Ah ouais, c'est sympa. Ouais. Donc le truc c'est que j'ai acheté le tome pour voir, tu vois. Et le truc c'est que c'est énorme. Parce que dans Chrono Crusade, ouais. Le truc il est. Le manga il est gros, tu vois, mais au moins t'as de la place pour lire et pour bien voir toutes les images. Même des fois un peu trop, mais bon. Là, ouais. C'est génial parce que c'est le contraire. Le truc, il est rapetissime, même plus petit qu'un manga normal. Enfin, un tout petit peu, tu vois. Et le truc, c'est que tu peux pas. Si tu mets la tête en ayant lu un quart du bouquin. Parce qu'en fait, il est vraiment minuscule et tu dois vraiment être dans le truc. C'est hallucinant, quoi. Il est vraiment tout petit. Tu vas bien apprécier le bouquin parce que c'est vraiment beaucoup trop petit. C'est vraiment dommage. Ouais, bon, sinon, c'est fun. C'est, tout, hein. c'est un peu bizarre, toi t'aimerais pas, je suis sûr. Mais c'est avec des vampires parce que le manga s'appelle Vampire. Mais pourquoi mais j'aimerais pas juste parce qu'il y a des vampires? Moi, j'adore les vampires, connard. Ah bah tiens, voilà. Eh, regarde. Là cette fois il nous a donné la mission spéciale. Ah bah ouais. Oui, parce qu'en fait avant j'avais fait tellement de la merde qu'en fait il nous a pas donné la mission spéciale. Mais là je sais pas pourquoi il nous l'a donné. Ah oh, oui, c'est selon la fin qu'on a, il me semble, non? Enfin, je sais pas. Donc voilà, donc il nous a donné la mission spéciale d'opération Wipeout. Et c'est quoi en fait? Voilà, mission spéciale. Et on peut la faire. Ouais. Tu vas la faire là? Non, parce qu'en fait faut. Bah, donc, si, fais là, c'est abusé sinon. Non, elle est longue, elle est dure. CMB. Non, mais fais-la. Non, je suis sûr. Elle est sauvegarde, fais-la plus tard. Non, mais. Et t'es un bâtard, c'est un Wuxu quand même, merde. Mais non, mais c'est un truc bonus, ça sert à rien. Même dans l'histoire, ça a aucun rapport. Ça sert à rien. Non, histoire de montrer là, je suis sûr qu'ils sont en train de se pisser dessus. Non, mais justement, c'est pour ça. Mais ils sont en train de se bouffer les ongles dessus et ils jouent au jeu. Parce que moi, à la base, j'ai envie que les gens jouent. Non, mais. Oui, mais faudra peut-être l'acheter avant, toi. C'est de la PSX, le jeu il date, tu l'achètes en. Tu le télécharges en. Oh le. Oh putain, piratage! Mais non, même pas en plus, le jeu il est vieux, t'as le droit de le télécharger. Non. Si au bout d'un certain âge, tu peux le télécharger. Non. À part s'ils ont racheté la licence. Non, ça c'est les Abandonware, attends. Non, mais... bah oui, mais justement, ça. Ça date d'il y a 25 ans, les Abandonware, espèce de taré. Sérieusement, j'ai regardé, le jeu il doit dater de 10 ans. Mais l'émulation c'est pas interdit, mais faut garder les ROM. Pas plus de 24 heures. Mais c'est de la merde. Mais de toute façon, tout le monde dit ça, mais tout le monde fait ça. On télécharge comme des porcs. On télécharge tous comme des porcs. Hey. On n'a jamais joué. On télécharge des tous les RPG, jeux. Absolument tous. Mais pas un seul j'en ai acheté. J'ai tout téléchargé. Mais non, carrément, tous, on télécharge tout. Après, je suis un gros pirate, allez. Je suis sûr que vous pouvez dire oh mon dieu, et télécharge. Je suis sûr que vous avez plein de jeux de trucs. Ouais, ou alors des DivX. Ou alors des vidéos de cul. Non, mais ça c'est pas. Seulement moi. Ça c'est pas grave si c'est des vidéos amateurs.
Ouais, voilà. C'est gratuit, c'est on s'en prend. C'est pour qu'elle filmait avec votre caméra en train voilà, de c'est... reculer un mouton. Putain, mais arrête d'exposer ma vie privée. Non, je déconne. Voilà. Ou alors c'est la dernière fin dont on se sent plus. Celle-là est vraiment interdite au moins de... Bah allez, personne ne le saura. C'est trop bien ça. C'est énorme. C'est trop... Donc nous on n'entend plus le son pour info, mais de toute façon il n'y a rien d'intéressant. Parce que c'est la même chose qu'on a entendu. Tant mieux qu'on n'entend plus, parce que comme ça on peut parler. Ouais, comme ça on peut dire. Alors comme ça si on dit encore plus de la merde, parce qu'on est motivé, parce qu'on n'entend plus. Ouais. Putain, j'aurai du mal. Donc oui, et donc... Pour cette dernière fin, vous allez assister à vraiment de et la donc, merde de première qualité. Et donc Ornéo. Donc Ornéo. Et où est donc Ornica? Quoi? Non, c'est mais où est donc Ornica? Ouais. Les conjonctions de coordination. Subordination. Ah, attends, non, de coordination. Les subordination. Non, après, non, les conjonctions de coordination, c'est Adam part pour envers avec 200 sous. Attends, je suis trop fort. Moi, les mots techniques, je te connais comme. C'est ça. Moi, je te connais comme rien du tout en fait. Ah, de te la péter en français. Petite merde. Non, ouais, genre c'est le truc que t'apprends en 4ème ou en 5ème, je sais pas. Ouais, moi j'ai jamais appris ce qu'on. Non, moi non plus. J'aime pas l'autorité. J'apprends. Quand on me dit apprends ça, je fais exprès de l'emmerder pour. Oui, pareil, moi je l'apprends pas exprès pour faire chier le monde. Ouais, c'est que... J'adore ça. Je déteste qu'on. Oui, alors vous devez vous dire, c'est chiant de revoir la troisième chose alors que c'est ça montre pas la fin. Mais alors, eh ben vous regardez pas, voilà. Vous écoutez. Voilà, vous regardez pas, vous faites pas chier. Vous coupez votre écran et vous écoutez que le son en fait. Vous coupez la vidéo, quoi. Bon, allez, on parle de quoi manière, maintenant. Si vous voulez entendre de la merde. Je le prendrai quand ouais, même. Ouais, choisis une lettre, on va parler d'un manga, on peut commencer par te. Ok, B. Perser. Batman. Kaitos, non. Ah, c'est pas RPG. C'est quoi cool. Ah, c'est pas un. Si. Ah, c'est un manga. Ah, c'est RPG que t'as dit ou manga? C'est peut-être un manga aussi. Bah, j'avais dit manga. Oh. Berserk. Non, mais Berserk, c'est abusé, on va pas parler de ça. Ouais. Ça ah, du coup, ouais, tiens, je vais te parler de Batman Kaitos. Le truc, c'est que c'est. C'est tellement. Je n'aurais rien dû dire. Sérieusement, c'est tellement. Enfin, je sais pas. Je sais pas si vous avez déjà joué à Batman Kaitos, mais sérieusement, c'est le truc. Non, mais ce que j'aime pas. C'est que c'est putain d'aléatoire le truc. Ouais, bah c'est ça. Donc c'est pas c'est pour ça qu'il faut tactique de créer un deck. C'est tactique de mes couilles. C'est de la chance. Si, si, tout. Parce que oui, c'est de la chance à la base. Mais en plus, tu peux faire en sorte que si t'as pas de chance, essaye quand même de enfin, je me rappelle que la seule fois où je t'ai vu jouer, t'arrivais pas à battre le boss, j'ai jamais joué. C'est moi qui ai niqué. Oui, non, c'est vraiment de la chance. Ouais, arrête-moi de la chance. Parce que je t'encule en RPG, c'est tout. Ouais, genre le gars il avait rien compris au jeu, ok je mets cette carte là, ouh, j'ai fait une suite, j'ai battu le boss. Bah de te foutre de moi, c'est toi qui disais ça fait 3 fois que je le fais, je me fais niquer. Oui parce que j'ai pas de chance moi. Et moi j'arrive, mais arrête de dire de la merde, moi aussi j'ai pas de chance. Tout ce que j'ai c'était des bananes, des cocktails de fraises tu sais. Non, des bananes vertes et un cocktail de, des fruits glacés. C'est important. Joue pas sur les mots, c'est très bien que t'as tort. Baisse ton pantalon. Baisse ton pantalon. Ouais, donc le truc il aura subi tout le Wakfu en fait. Bon tiens, on va parler d'un film, d'une lettre. X. Xenogears. Hein? Non, je sais pas. C'est pas un film. Il y a plein de mangas adaptés en jeu. Non, au contraire, le jeu en adapté animé. En manga. Ouais. Les Tales of. C'est animé Roxor. Enfin animé Powa quoi. Ça va être pas de faire des animés ouais, à partir mais j'en ai jamais vu un seul. Ah, moi j'ai tellement vu des parties. De celui de Tales of Symphonia parce que t'as des parties dans le jeu. Ah parce que même celui-là il est en... Ouais ouais en ah mais t'as un animé, Tales of Symphonia, un OAV en 3 épisodes. Et Tales of Destiny 2, enfin Eternia, je dis Eternia parce que Destiny, oui, oui. Destiny 2 il y en a deux. Non il y en a deux. Il y a Tales of Destiny 2 avec un 2 hein. Et Tales of Destiny 2 avec un 2 en chiffre romain. Et c'est pas du tout le même jeu. Waouh. Parce qu'il y a Tales of Destiny 2 avec un... Oh putain. Un 2 putain, en... Oh, putain. En chiffre romain. Putain. Non, c'est vrai, avec le chiffre romain, ouais. C'est la suite de Tales of Destiny. Et il, hein est sur, il est sur PS2. Alors que celui avec un 2, il a aucun rapport avec Tales of Destiny en fait. Je sais pas pourquoi ils ont pas changé le nom. Enfin, il s'appelle Tales of Eternia aussi. Enfin, c'est le bordel, c'est marrant. Donc, ouais, il est bien fait. Alors, ça se voit pourquoi ils font pas Tales of 1, Tales of 2, Tales of 3, Tales of 4. Parce que ça veut rien dire, 6. Ça va être compte 2. Oui, c'est 1, ça qui est bon. Compte 2, 3, compte 2. 4, c'est con, il faut donner non, un nom. Mais voilà, non, mais sérieusement, c'est le bordel. De toute façon, ça veut rien dire leur truc. Le compte de Tales of. A la base, c'est quoi Tales of Phantasia, voilà. Bon, là, ça veut à peu près dire un truc, même si ça n'a aucun sens. C'était le compte de la fantasy. Enfin, bon. Compte de la compte de après, la ils t'ont fait de la merde, Tales of Darkness, ouais, le compte de. C'est complètement con. C'est... Ouais, voilà. Le compte des ténèbres. Vous voyez Tales of Darkness? Bah limite Tales of Darkness serait le seul qui... Après le truc c'est rien dire, Vesperia, c'est rien dire le comte de Vesperia. Bah ouais ça doit être le pays quoi. Tales of the...
of the Chaos, je sais pas quoi, le conte du chaos. Tales of. Ouais, conte de, le conte de Starch les Trip aussi, non mais ça, ça c'est trop du conte le truc. Tu fais des trucs chaotiques là. Tales of Blood. Bloodraven, à chaque fois je pense à Bloodraven, boss de Diablo 2. Putain mais Diablo 2 j'y ai joué comme un enfoiré. Mais tu t'en passes jamais. Bah ouais, hein, c'est infini, c'est les, hein. Les objets, tout ça c'est infini, je sais pas, c'est... Tu te fais jamais... Oui, le truc du feu, de la glace, de... Non mais alors ça... du loup... De l'ours, de... de l'empoté, du mangeur de pâte au fromage, de givre. Ça ouais, c'est un truc de taré, ouais. Non mais le 3, il a l'air de roxer un poulet sur une... Une barquette de lui, quoi. Carrément. Ah ouais, c'est à ce point-là, quoi. Je dis roxer pour pas dire un autre mot, quoi.